travail avec de... Durand. Il a laissé l'avantage, avantage qui n'a pas profité aux Français. Cantona. Deschamps. Et Bolzé. Angle. Ah oui, but. Ah oui, oui. Superbe. Je vous le disais, le danger viendra d'Angloma et des centres d'Angloma. Et c'était deux là pour pouvoir reprendre ce ballon. Au départ, il y a eu un jeu anti-angle superbe ici avec Franck Sauzet qui décale. Il est en position d'ailier droit, l'une de ses positions favorites. Et effectivement, Thierry, ils sont deux. Eric Cantona s'échappe. Ah, il en a fait marquer. Je me demande si depuis deux ans, Jocelyn Angloma ne serait pas le meilleur passeur de l'équipe de France au Challenge France Foot. En tout cas, là, une tête placée, contrée de Fabrice Divers. 100% de réussite pour les Français. Oui, la première action vraiment dangereuse. Le joueur de Caen, l'appelait de la dernière heure, à la place du malheureux Amara Simba, pour lequel on a une pensée également. Souter, Geiger, alors que l'on tente la Ola. Bon, jaillissement de Bonvin. Et but. Ah oui. Égalisation de Bonvin pour la Suisse. Placement dans l'axe de la défense avec un espace dans le dos de Basile Boli. Et bon tir croisé de Christophe Bonvin. Bien joué. Bonne action collective là de la part des Suisses. Sauzé. Pression. Allez, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est bien frappé, superbement frappé. But, et but. Encore de Bonvin. Eh oui. Sur ce corner au deuxième poteau, Bonvin prend sa chance et donne l'avantage à la Suisse, 2-1, à la 27e minute de la deuxième mi-temps. C'est superbement frappé. Et encore un oubli défensif. Cette fois-ci, ballon entre les jambes de Bruno Martini. Et il était sur la trajectoire du ballon, mais c'était tellement fort, et tellement c'était allé au fond.